Dans ce document à savoir numéro 4, nous allons comprendre comment déterminer l'équivalence d'un titrage conductimétrique. Donc, détermination de l'équivalence. Après avoir tracé la courbe conductivité en fonction du volume versé de solution titrante, on recherche le point d'intersection des deux droites vertes. Donc, on va tracer les deux droites. En fait, on a la courbe et elle peut souvent être représentée comme ou vue comme deux morceaux de droite avec quelques parties courbes. Donc, il suffit de prolonger, de tracer les parties, les points qui semblent reliés. Et on trouve donc le point d'intersection. On trouve le point d'intersection qui va être le point équivalent avec en abscisse le volume équivalent. Donc c'est pas très très compliqué. Juste une petite précision parce que ça se voit pas trop ici, c'est que les points là semblent quasiment tous alignés ou on pourrait dire bon il y a des erreurs expérimentales. Les courbes vont plus ressembler à finalement à ça. Donc il va y avoir une sorte d'arrondi à un moment. Donc ici, si je devais tracer, donc je vais essayer de faire ça correctement en rouge. Donc si je devais tracer, donc là, ces trois points semblent alignés. Ces points-là semblent alignés aussi. Et je vois qu'il y a des points ici que je n'ai pas, qui n'apparaissent pas, qui sont, qui reflètent un peu la partie courbe de notre tracé. Et du coup, qui ne sont pas à prendre en considération. Donc ce n'est pas grave, hein, il ne faut absolument pas s'en faire. Mon volume équivalent sera donc la valeur en abscisse ici de ce point. Donc ça, c'est mon point équivalent E et mon volume équivalent VE sera en dessous. Je suis en bas de l'écran, j'arrive pas à écrire.